Dans l'épisode précédent... Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tu sais, avec tous ces corps... J'en sais rien. Laissez-nous nous en occuper. Mais qui êtes-vous donc? Je suis Sir Richard, le propriétaire légitime de cette demeure. Et eux, derrière, ce sont mes singes apprivoisés. Quant à vous, vous devez être Link, je suppose. Oui. Mais comment connaissez-vous mon nom? Partout sur l'île Coccolino, on ouit dire qu'un jeune héros pourfend les monstres et récupère les instruments sacrés afin de réveiller le noble poisson rêve. Oui, c'est bien de moi qu'il s'agit. Votre description reflète parfaitement ma personne. Par contre, les ouit dire ont oublié de mentionner que ce jeune héros était si mal fringué. Cette tunique rouge est d'un criard. S'il vous plaît, il vient juste de se calmer, alors si vous pouviez éviter de me le remettre en colère, ça m'arrangerait. Hé hey! Un de vos singes m'a piqué mes bananes! Excusez-le! Il faut dire que cela fait un moment que nous n'avons pas fait ripaille. Depuis que ce monstre vert s'est emparé de mon château, en fait. Il dit qu'il s'excuse, et qu'en échange de ce magnifique repas, il vous donne son bâton, porte-bonheur. Eh ben dites-lui qu'il peut se le mettre là où je pense! Inutile! Il l'a déjà fait! Je sens revenir le mode berserk, moi... Attendez! Vu que vous avez terrassé le deathbot qui m'avait saisi de mes biens, laissez-moi vous donner cette clé qui vous permettra d'ouvrir l'un des donjons contenant un des instruments sacrés. Des clous. Je vous demande pardon? J'ai dit des clous. J'ai libéré ce château, il est à moi maintenant. Vous n'êtes point sérieux? Oh que si! Et d'ailleurs, pour pas que tu me fasses chier plus tard... Je me meurs! Non mais ça va pas, Link! Qu'est-ce qui te prend? Il se trouve que je fais ce que j'avais planifié depuis fort longtemps. Figure-toi que j'ai toujours secrètement rêvé de mener la vie de châtelain. Cette occasion est la meilleure opportunité que j'ai eue. Alors, je l'ai saisie. Il est vrai qu'au début, je voulais le faire de manière plus subtile, grâce au mariage. C'est dans ce but que je me suis rapproché de la princesse Zelda et de la princesse Ruto, en me faisant passer pour un gentil garçon héroïque. Mais le problème, c'est que j'aurais dû encore attendre quelques années avant qu'elles aient l'âge légal pour se marier. Sans compter qu'ensuite, j'aurais dû me les coltiner pendant je ne sais pas combien d'années. Bien sûr, j'ai pensé que j'aurais pu m'en débarrasser après le mariage, mais il y aurait eu le risque que je perde mon statut de roi par alliance pour redevenir un simple lien. Donc, tu comprends que je préfère cette méthode, qui est loin d'être orthodoxe, je l'admets, mais qui est vachement plus efficace. Tu es un monstre! Je sais. Et au fait, si tu ne veux pas finir comme l'autre, Sir Richard, je te conseille de partir et de ne plus jamais paraître devant moi. Mais, et la quête du poisson rêve, tu en fais quoi? Le but de cette quête était de réveiller le poisson rêve afin de pouvoir quitter l'île. Inutile de préciser que maintenant que j'ai un château, je n'ai plus de raison de vouloir m'en aller. Ni même de supporter ta compagnie. Adieu, très cher. Oh, à moins bien sûr que tu veuilles rester pour devenir mon esclave. Dans ce cas, Link, c'est un adieu. Et dire que je t'ai aimé. Décidément, ce rôle du gentil garçon héroïque fait même craquer les fées. Bon, les singes, si vous ne voulez pas finir comme votre ancien maître, je vous conseille d'obéir. Alors pour commencer, voilà une bonne chose de faite. Il fallait pas voler mes bananes. Quant à vous autres, vous allez me nettoyer le sol. Je ne veux plus voir une seule goutte de sang par terre. Ensuite, vous allez me reboucher les trous que j'ai fait dans les murs pour entrer. Puis vous ferez les vitres, et enfin la vaisselle. Sans oublier de faire le... Et c'est ainsi que se terminent les aventures de notre héros vert. Enfin, rouge maintenant. Link étendit son pouvoir sur toute l'île Coccolino, où il régna d'une main de fer sur toutes les formes de vie de l'île. Et il épousa Nevi, avec qui il eut plein de petits despots juniors. Félicie, quant à elle, finit sa vie en paria. Rejetée par la communauté des fées pour être devenue trop grande, elle fut aussi rejetée des humains pour avoir été la compagne de Link et n'avoir pas pu empêcher le désastre du règne de ce dernier. À bout de force, elle se suicidera en s'enfermant hermétiquement dans une jarre de l'entreprise du génie après avoir mangé une vingtaine de boîtes de faillots. Fin. Attends, Gugnino, c'est quoi cet épisode? Bah quoi, il est génial cet épisode! Aucun auditeur ne pouvait s'attendre à ce retournement de situation. Je veux bien, mais franchement, c'est pas sympa pour les fans. Comment ça? Je te rappelle qu'aux yeux des auditeurs, je suis un héros. Aux oreilles, tu veux dire? Vu que c'est des auditeurs, on dit les oreilles, pas les yeux. Si tu veux. Mais franchement, tu vois un héros devenir un monstre comme ça, toi?
Non, mais c'est fun. Bon, ok, je recommence l'épisode, mais c'est bien pour faire plaisir aux fans. Il dit qu'il s'excuse, et qu'en échange de ce magnifique repas, il vous donne son bâton, porte-bonheur. Vous foutez de moi? Du tout! Il est en bois précieux, vous pourrez sûrement en tirer un bon prix. Et en prime, et aussi pour vous remercier d'avoir débrassé mon château de ce cuistre, je vous donne cette clé, qui vous permettra d'ouvrir l'un des donjons contenant l'un des instruments sacrés. La suite au prochain épisode! Et c'est tout? Bah oui, tu m'as quand même pris de court, j'ai dû improviser. Bon alors, au prochain épisode.